Salut Jérôme, on est à la librairie Trait d'Esprit à Paris. Est-ce que tu peux tout de suite nous rappeler un petit peu l'adresse? Alors, nous sommes au 35 rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement de Paris, D'accord. juste à côté de l'église Saint-Germain-des-Prés. Ok. Alors en ce moment, période particulière, comment font les gens pour venir acheter de la bande dessinée à Trait d'Esprit? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a le click and collect via notre site Trait d'Esprit Canal BD. Il y a la possibilité aussi de commander via la librairie, comment dire, les libraires de Paris, Paris Librairie, pardon, et via aussi l'application Bubble, si les gens ont cette application Bubble, qui permet également de faire réserver les livres chez nous, soit de les faire réserver et de venir les chercher, soit de les faire réserver et que on peut leur envoyer ensuite en vente par correspondance. D'accord. Alors la librairie est en plus un espace de galerie, c'est ça, si j'ai bien Oui, compris? c'est vraiment une librairie-galerie. Donc, c'est la librairie-galerie Trait d'Esprit. Donc, il faut bien appuyer sur le fait qu'en effet, nous sommes une galerie. Nous avons plus de 200 originaux, planches disponibles à la vente sur la librairie. Une partie est déjà d'ailleurs visible sur le site 2D Galerie, qui est spécialisé dans Dans les la originaux vente BD. des. Voilà, exactement. Donc, les gens peuvent en voir déjà une bonne partie sur le site de Dégalerie et les commander via ce site. Et on peut tout à fait leur envoyer ou ils peuvent également, là aussi, venir le chercher directement à la librairie. Alors, il y a une expo en cours d'ailleurs, si je me suis bien renseigné. Alors, on a eu un auteur espagnol dernièrement qui s'appelle Tirso, qui a fait Le Manoir des Murmures et Tracker, entre autres. Et en effet, il y a une vingtaine de ses planches qui sont exposées à la galerie. Et c'est des Alors, planches si qu'on on... peut retrouver également sur D'accord. 2D Galeries. Ouais. Alors, si on revient aux albums de bande dessinée, est-ce que tu aurais trois albums à conseiller aux lecteurs? Alors, je me suis concerté avec mes collègues et donc nous avons en effet trois albums que nous pouvons vous conseiller. Donc, premièrement, Mademoiselle J, 1938, je me trompe toujours, c'est 38 ou 39. Donc, c'est Mademoiselle J, 1938, où on poursuit. La vie, quelque part, de Juliette, qu'on avait pu découvrir dans le précédent, qui était Mademoiselle J, 1929, qui était autour du personnage de Petit Roux. Donc, c'est une mise en abîme, en fait, de l'univers de Spirou, comme si, en fait, les auteurs de la série, dont Rob Well, par exemple, s'étaient inspirés de la réalité pour créer leur personnage de Spirou, Mademoiselle Jeanne et tout ça. Enfin bon, de tous les personnages qui entourent Spirou. Donc là, en fait, on s'intéresse à Mademoiselle Jeanne, qui est rentrée, on va dire, dans une phase adulte, elle a une vingtaine d'années, et elle veut devenir journaliste. Et donc, en 39, autant dire que pour une femme, devenir journaliste, c'est très compliqué. Et donc, on la suit pendant tout cet album, où elle essaye par tous les moyens de devenir journaliste. Et par là même, on a la montée en puissance, bien sûr, des nazis, et donc qui influence aussi sa vie, et plus particulièrement les choix de son père. Donc elle est confrontée directement au problème de la guerre qui arrive. Voilà. Donc ça, c'est un premier album que l'on trouve très bien conçu, très intéressant, dessiné par Véron. C'est aux éditions Dupuis. D'accord, c'est chez Dupuis. C'est chez Dupuis, on retrouve avec plaisir le trait de Véron et le scénario d'Yves Sente, voilà, très bien ficelé et très agréable à lire et très intéressant aussi sur le fond. Très bien. Ensuite, hop là. Ensuite, on a eu un coup de cœur pour La Bête de Franck P, Ah oui. également aux éditions Dupuis. Donc c'est une revisite du Marsupilami. De façon plus adulte, j'avais fait un parallèle au départ avec Machine qui rêve, où Spirou avait été, on va dire, on l'avait rendu très adulte. Et là, en fait, on rentre dans quelque chose où la bête, le marsupilami, donc, est dans une histoire aussi juste après la Seconde Guerre mondiale, donc un contexte assez compliqué pour les gens. Et on suit une famille, une mère et son fils, le petit garçon qui, lui, adore les animaux et par le plus grand des hasards, se retrouve à héberger le marsupilami qui revient un peu de l'enfer. J'en raconte pas plus. Et donc, c'est un premier tome qui met en place ce récit très très bien ficelé, très très bien écrit et dessiné par Franck P. Voilà, qui est vraiment une très belle réussite. J'étais assez content du résultat, en tout cas, moi, en tant que lecteur, ça m'a vraiment pris aux tripes. Voilà.
Ok. Et puis un petit dernier pour la route. Alors, un petit dernier. Alors là, c'est vraiment le bouquin qui m'a vraiment marqué dernièrement, qui s'appelle Malgré tout, de Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. Donc c'est une histoire d'amour à revers en fait. C'est quand le livre commence, les personnages qui ont entre 60 et 70 ans se retrouvent et commencent leur histoire d'amour. Et tout le livre est à rebours en fait. Tous les chapitres sont à rebours jusqu'à leur première rencontre. Et là, on comprend réellement pourquoi ils sont passés à côté l'un de l'autre pendant toutes ces années. Mais par contre, pendant tout le récit, ils restent en contact l'un avec l'autre. Et donc, on voit leur choix, pourquoi elle allait rester dans cette ville où au départ ils étaient tous les deux, et pourquoi elle est devenue maire de cette ville, quels ont été ses choix en tant que maire, et lui, pourquoi il est devenu voyageur au long cours, et aventurier, et aussi un docteur en thèse, puisqu'il monte une thèse sur le passage du temps. Ah Et oui. donc, tout, en fait, tout est, on va dire, retenu, tenu par cette thèse, en fait, sur le passage du temps et sur, en fait, bah, voilà, le temps, c'est une boucle et on peut commencer à tout moment à être heureux et à retrouver les gens qu'on aime et surtout à ne pas perdre le fil avec eux. Donc, voilà, c'est un très, très beau bouquin, très, très bien dessiné et narrativement très riche. Et voilà, c'est une petite claque, la claque de la fin d'année, on va dire. Super. Donc voilà trois nouveaux albums à découvrir. Donc pour venir les lire et les commander à la librairie Galerie Traits d'Esprit à Paris. Et puis ben merci pour ces petits conseils de lecture. Avec plaisir, à très bientôt. Eh ben je reviendrai. Merci Jérôme, à bientôt. Merci, au Salut. revoir.